Chers amis, auditeurs et auditrices de cette émission 3 face 1 sur Salaz FM, bonjour à vous tous, belle journée à vous, bon dimanche. Et bonjour à toi, ma chère Dani, en très grande forme aujourd'hui, toujours la pêche, l'envie et l'amour de co-animer cette émission. Bonjour, amis fidèles, bonjour Marcel. Et oui, effectivement, très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver ce dimanche, baptême de Jésus, et hâte de vous partager ma petite réflexion. Oui, merci, 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 merci tout le monde, merci pour ce soleil, cette joie qui s'empare de nous à chaque fois que... Ouais, un dernier à chaque fois que voir, moi déjà, la joie y en parle. Non, parlons plus comme ça, c'est l'émission, elle est meilleure encore. Et puis aujourd'hui, nous avons la chance, encore une fois, hein, merci encore à Fabrice, merci encore à la présence de Sheila, merci aussi à Catherine qui va chanter pour nous tout à l'heure, et avec toi, Dani. Et puis, ben, merci à toutes les personnes qui sont derrière les manettes, je parle de Hermina, je parle de Cathy, je parle de Chris, je parle de Cassie, ben, tout le monde, tout ça, et puis Mazam aussi de son côté là-bas. Et puis, ben, tous les moyens que le Seigneur met à notre disposition pour pouvoir avoir cette intelligence, cette joie et cet amour de partager avec d'autres la liturgie, les textes d'aujourd'hui et puis notre humble petite réflexion. Avant, Marcel, on écoute un petit chant à l'Esprit Saint et on revient de suite. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Venez, Saint-Spiritus. Venez, Saint-Spiritus. Venez, Saint-Spiritus. Adieu à toutes, comment il est? C'est Fabrice avec Zot pour l'Évangile en créole, comme tous les dimanches. C'est toujours un plaisir pour moi de partager Zot l'Évangile. Nous les avons dit le dimanche 15 janvier 2023, nous fêtons les Rémi et les Rachel. Et bon anniversaire à Zot, si Zot l'est né un 15 janvier. Zordi me propose à Zot l'évangile de Jésus-Christ, comment Saint Jean raconte à nous, chapitre 1, versets 29 à 34. Dans ce temps-là, Jean-Baptiste voit Jésus ni Véali, il a dit: alors là, l'agneau bon Dieu, c'est sur les péchés de monde. C'est de lui que moi t'ai cause, comme elle a dit, le bouc y arrive après moi, la passe devant moi passe, lui t'es là avant moi. Et moi, moi t'ai connais pas lui. Mais si l'agneau baptise dans l'eau, c'est pour que lui fait manifester lui à Israël. Alors, Jean l'a témoigné. M'a vu l'Esprit Saint descendre depuis d'un ciel comme un colombe et la reste s'y lit. Et moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas lui, mais cette l'envoyé moi et baptise dans l'eau, la dit à moi, cette dessus qui ça va voir l'Esprit Saint descendre et rester, à lui, il baptise dans l'Esprit Saint. À moi, elle m'a la vu et me témoigne. À lui même quand son bon Dieu. Parole bon Dieu. Bon dimanche à tous, bon dimanche à toutes et nous retrouvons à bientôt.
Alors les amis, je me mets à la place de Jean, hein, quand il voit Jésus en face de lui qui demande le baptême. Si on se met à la place de Jean, ça doit être un moment fort de se dire, ben, on a Jésus, Jésus qui représente Dieu, l'agneau de Dieu. Et le baptême que Jean propose dans le Jourdain, eh bien un baptême de pénitence et qui termine le temps de l'attente et prépare celui de la promesse réalisée. Ce baptême ne peut sauver, mais il prépare à la conversion. Eh bien alors, pourquoi Jésus demande à Jean-Baptiste le baptême? Eh oui, dans le baptême de Jésus se manifeste la gloire du Christ par le témoignage divin du Père et de l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit sont tous trois révélés au monde. La voix du Père qui nous permet de découvrir la présence du Père dans le Fils et du Fils dans le Père. Tout l'amour reçu et tout l'amour donné qui n'est qu'un seul amour. Cet Esprit Saint qui descend sous forme d'une colombe. Et dans cette demande de Jésus, nous découvrons aussi l'humilité du Christ. L'humilité avant de proclamer l'avènement du royaume. Il se soumet également au baptême de pénitence de Jean afin d'assumer en lui-même toute l'humanité. Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Et quand Jean baptise Jésus, ben c'est lui, c'est Jésus lui-même qui nous donne le signe du baptême. Le geste de conversion accompli par Jean sur le Christ est devenu pour nous sacrement. Et nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Nous qui sommes à présent baptisés dans le Christ, à la ressemblance du Christ, avons reçu l'onction de l'Esprit Saint. Nous sommes aussi appelés fils bien-aimés ou filles bien-aimées du Père. Alors, aujourd'hui, cette fête
du baptême de Jésus est aussi la fête de notre baptême également, de notre conversion à nous aussi, de notre rencontre avec Jésus et de sa mort et sa résurrection qui nous engage à le suivre dans la vie nouvelle des enfants de Dieu, animés par l'Esprit Saint. Et les amis, quand on a l'Esprit Saint, on est lumière, alors illuminé de partout, illuminé comme Noël, avec les éclairages qu'on peut voir un peu partout. Je vois l'image, vous voyez, les guirlandes, c'est plusieurs lumières attachées les unes avec les autres. Soyons tous des lumières qui se donnent la main et qui fait l'unité vers le Père et le Fils. Et je voudrais te dire merci Seigneur, merci pour cette rivière d'amour que tu nous donnes et que tu nous plonges. Et on écoute, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans profondeur de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir, Marcel. Merci beaucoup, les enfants. Merci, Fabrice. Merci, merci, Dani. Ben oui, merci, Catherine. Merci, tout le monde, quoi, pour ce passage. Et puis là, m'y invite à Zot à écouter la lecture du livre d'Isaïe que la liturgie propose à nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit : Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Alors, cette lecture d'Isaïe, ce passage des Écritures, ben, tous les jours, nous sommes à la messe, nous écoutons les lectures, et tous les jours, tous les dimanches notamment, nous écoutons la première lecture, la deuxième lecture, le psaume, l'évangile. Et
Des fois, en prenant du recul ou en prenant un autre angle, il fait du bien de réentendre ça. Parce qu'il éclaire notre vie d'aujourd'hui. Surtout quand Isaïe, il rapporte que Dieu la forme Mali dès le sein de sa mère. Et il peut dire à nous ça aussi, hein? C'est pas qu'Isaïe était formé dès le sein de sa mère. C'est que Dieu la forme chacun de nous dès le sein, dès le ventre, hein? Même avant, hein, de notre moment. Et ça, il montre un peu la dimension sacrée, la dimension sacrée de notre vie et cette dimension invisible. Des fois, nous dit, nous récite comme ça, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, nous lague ça comme ça sans réfléchir, sans poser à nous vraiment dans le sens de ce que nous dit, des mots que nous dit. Ben aujourd'hui, quand nous va réciter le « Je crois en Dieu », ben il est vrai, je crois que Dieu m'a formé, hein, le Père Tout-Puissant, je crois que Dieu, il veille toujours sur moi, et ça pas tout de suite là, mais depuis longtemps. Et la manière que nous l'a vécu, avec les expériences que nous l'a cru malheureuses, ces moments de révolte, ces moments insatisfaits, ben quand Jésus il est né dans la crèche quoi, ben il est né avec l'odeur des animaux. Et nous aussi, ben quand nous gâte tout ça, nous dit ben heureusement nous la passe pas à ces moments là. Un Kenaël, hein, coûte sa vade, coûte ceinture là, hein, là le pas mort. Et aujourd'hui il sert à nous pour aujourd'hui, mais pour tout le temps. Et c'est ça être croyant, c'est ça rester croyant. Et ça, c'est pas un roman d'amitié qui s'élance entre qui commence entre nous deux comme le vol d'un oiseau, hein. Ça, c'est vrai que aujourd'hui nous voit que Dieu y occupe de moi personnellement. Alors la question que nous peut poser, pourquoi ça y occupe de moi personnellement? Pourquoi lui aime moi? Parce que l'écrit dans le texte aussi, parce que Minena de la valeur, Mina du prix à ses yeux, tu as du prix à mes yeux. François, il a fait ça, hein, tu madame? Tu as du prix à mes yeux. Monsieur, ou les précieux, madame, ou les précieuses aux yeux de Dieu. Et voilà, pour donner une image de cet amour-là, hein, nous peut référer à nous aux expériences de mort imminente, notamment de Nicole Dron. Elle dit tout le temps, hein, ça lui parle de ça. Ben oui. Nicole Dron dit comme ça que quand il arrive dans la lumière, c'est comme s'il avait un milliard de milliers de mamans et dit je t'aime. Il a senti cet amour. Cet amour ineffable, cet amour indicible, cet amour qui dépasse tout. Et nous, ben, là, pourquoi arriver de l'autre côté là-bas, il n'a pas froid là-bas. Mais nous, imagine que nous sommes dans un endroit, nous sommes sur le podium, nous les pareils Renaud Sadon, ou bien nous pareils soit Nariman. Netan Mouniamano, ah, tu sais, ça, maman, il chante bien moi-même, hein. Tu sais, à toutes les filles que j'ai aimées d'abord. Netan Mouniamano, ben. Et je comprends pas pourquoi. Il y a trop de gens qui m'aiment. Je comprends pas pourquoi. Ou bien ils ont un problème. Ou bien ils me connaissent pas. Bref. Alors, Netan Mouniamano. Mais, ça nous connaît. C'est que Dieu y aime à nous mieux. Dieu y aime à nous plus que ça. Dieu y aime à nous à la folie. Mais pas de temps en temps, quand il est sur un podium, derrière une guitare, bien comme il chante. Mais, Dieu aime à moi plus que ça. Et à nous, ben, des fois, nous aimons. Messieurs, mesdames, vous aurez oreilles, ça devient bêtise. Des fois, nous aimons cette femme-là parce que, ben, elle est dans une petite culotte dentelle, tu vois. Ah, là, nous aimons, là, t'es. Ouais, nous les vautrer si un lit dans l'hôtel. Là, tu tournes devant nous, là, nous aimons. Ah, nous aimons, t'es, je t'aime, t'es, franchement, ouais, tu as mis ta petite misette pour moi. Mais non, ça, c'est l'amour humain et l'amour passager, comme chanter. Voilà, plaisir d'amour ne dure qu'un instant. Mais Dieu, non, il aime à nous à la folie, il aime à nous depuis avant. Et l'amour de Dieu, c'est pas quand moi, Marcel, me ressent que il aime à moi. Il a dit, le Seigneur, il aime à moi vraiment parce que ma eu la chance, m'était attendre le cas arrive tout de suite. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est pas quand moi, m'y ressent. Mais Dieu, il aime à moi. Tout le temps, comme il dit le psaume, de toujours à toujours. Et quand nous mettons ça dans notre tête, ben, nous avançons, nous grandissons, nous sourions tout le temps. Après, il a le fou la folle, comme si, voilà, il dit ça.
Tout le temps, il dit ça, mais voilà, c'est comme si notre horoscope, là, dit nous garder votre sourire toute la journée. Mais il ne faut pas croire à l'horoscope. Il faut croire à notre vie, à la foi qu'il pèse à nous. Parce que l'horoscope, tout le monde, voilà, aujourd'hui, c'est le même affaire pour les autres. Mais dans l'évangile que Fabrice l'a dit à Pouno, Jean-Baptiste, il parle de mouton, ouais, l'agneau de Dieu. Il parle tout le temps de ça et des fois, il me reproche à nous. L'église, les écritures, c'est rien, mouton, l'agneau. Et les vrais, ils ont remarqué, non, pas remarqué ça. Et pourquoi nous parle de ça? Parce qu'en Égypte, quand Dieu l'a sauvé le peuple hébreu de l'esclavage, il a demandé au peuple, à Moïse, à Aaron, de sacrifier un agneau pour fête la Pâque, justement, pour la première fête de la Pâque, pour marquer les entrées des maisons. Et cet agneau-là, dans le symbolisme, il enlève le péché du monde. Voilà, c'est juste une petite parenthèse que je fais là. Mais voilà. Et Dieu, il aime à moins. Il aime à où. Le Père l'a voulu. À où. Il dit encore à où. Oui, à où. Parce que vous l'avez choisi. Parce que vous l'avez été rêvé par le Père. Comme un papa et maman, parce que vous avez fait, vous avez conçu les autres enfants. Vous avez rêvé un peu comment les enfants seront. Si le papa l'aime, voilà, la réunion, si le papa l'aime, car, si le maman l'aime, créole, tout le monde, nous rêvons comment les enfants sont sortis. Alors, aujourd'hui, dans les Écritures, mettent à nous dans nos têtes que Dieu y aime à où. Enfin, il dit à moi alors, Dieu y aime à moi. Pas l'ensemble de la population, aussi il aime l'ensemble de la population, pas l'ensemble de l'humanité, oui il aime l'humanité, mais il aime à moi, il aime à où. Et faut pas, ou sans où, abandonner, faut pas, ou sans où, laisser à vous-même. Voilà. Écoutez les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle. Écoutez les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle. Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu. Toi qui plies sous le fardeau, toi qui n'es qu'un numéro, toi que notre société a jeté dans son fossé, toi qui n'as plus de patrie et toi qui n'as plus d'amis, à la porte de vos cœurs se tient déjà le Seigneur. Écoutez les amis, écoutez les amis. Toi le vieillard qu'on oublie, toi l'infirme qui s'ennuie. Ouvrez votre cœur en grand, comme fenêtre au printemps. Écoutez les amis, écoutez les amis. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Écoutez les amis, écoutez les amis. La bonne nouvelle. La fille délaissée, toi la femme abandonnée, toi qui n'as pas réussi, ou toi que l'on a trahi, vous aussi les amoureux, et vous tous les gens heureux, nous a-t-on chanté un jour que votre Dieu est amour. Écoutez les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Écoutez les amis, écoutez les amis, la bonne nouvelle. Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu. Du coup, what toute cette
faut nous penser, c'est que oui, Dieu y aime à moi. Pas moi, Marcel, à nous, alors. À vous, alors. Mais à toi, Maïe, maintenant. Oublie le reste. Oublie le reste. Enfin, voilà. Et si jamais, me rend moins compte que Dieu te aime pas moi là, ben, me finis l'émission tout de suite, me dis au revoir, puis attaque Baron a trouvé, me s'appuie l'église, me joue puis la musique, me ça retourne fait sonneau pour Bastir, avec Lilian Payette et son LP sonneau. Ouais, mais arrête fait tout ça, parce que, ben, la m'a plus rien pour gagner terrain, m'a plus rien pour cause exode, des écritures. Ben, il y a quelqu'un, on connaît, il y a toujours des personnes comme ça, hein, qui, en kikineur. Souvent, c'est des personnes que. Comment expliquer ça? Mais expliquer ça, les histoires, puis on va trouver quel genre de personnage il est. Dis, ah, c'est la maison? Ben oui. Vous lisez les écritures? Ben oui. Mais explique-moi, Yakouva. Hein, bonne pape, bonne prêtre, tout ça. Ça, c'est bonne connerie, ça. L'écriture, c'est connerie. Bon, dis, c'est connerie, ça. Dis, explique-moi, pourquoi on dit ça? Dis, ben, ah, vous-même, explique-moi. On a longtemps, on est là. Hein? On a longtemps, on est là-dedans. Jésus la transforme de l'eau en vin. Comment on explique ça? Eh bien, franchement, je ne peux pas expliquer ça, mais ça peut expliquer où? Parce que même s'il m'explique où, même s'il m'avait des explications à donner, il s'arrête de deux oreilles, un côté, il s'assort par l'autre. Et puis, on va trouver toujours un moyen ben, de prendre au plus supérieur au bon Dieu. Hein? Mais qui peut expliquer? Mais il m'a dit une affaire. Ça me connaît là. Je ne connais pas comment il a changé l'eau en vin, mais il me connaît moins. Il la change à moi. Moi qu'elle était un peu dans la révolte, moi que moi était un peu désespéré, moi que m'était ça va comme un bateau dérive sans but et sans mobile, moi que moi était blessé, moi était troué par la vie. Et puis un jour, voilà, il la transforme en moi. L'eau en vain, me connaît pas, me dit pas expliquer au moins, il n'a rien, il est comme ça, il écrit. Mais moi, ça me connaît ce que lit. Il a changé à moi. Qu'il ait été assez fort, assez aimant pour un moment comme ça. Et ça, il suffit à moi. Et je pense que le Seigneur, il dit à nous comme ça, si tu savais combien je t'aime, comment je t'aime. Les vrais, nous n'avons nos bonnes petits tracas. Les vrais, nous n'avons nos bonnes peurs, nous n'avons notre révolte. Des révoltes faites soit par nos enfants qui écoutent plus nous, soit par nos parents qui déshéritent à nous, soit par nos conjoints qui prennent en vol, ils font nous à terre, soit par les amis, en fin de compte, quand nous fait stop dessus le chemin de la vie, ben, ils font nous saluer, mais ils ramassent pas nous, nous obligés de faire la route à pied. Il est vrai que ce n'est pas facile. Nous avons notre situation, ben, de monicole, sur nous, sans comprendre. Sans comprendre ce que nous vivons, il a tout de suite des foutants, il a tout de suite des mauvaises remarques. Il y a des gens qui rôdent asservis à nous, et de servent à nous, ils touchent à nous, ils veulent atteindre à nous sur notre point faible pour que nous les autres services. Quoi. Après, les autres, ils passent devant, ils disent, ouais, heureusement, hein, vraiment, Marcel, t'es là, ramène la diable, viens. Quoi. Voilà, mais personnellement, il a changé en moi. Il a changé en moi. Et je pense que nous, chacun qui écoute là, à un moment donné, si nous gardons notre vie, ben, le Seigneur la change à nous. La change à nous. Nous connaissons pas comment l'eau a été transformée en vin. Mais ça nous connaît ce que nous l'attendons cette petite voix aujourd'hui. Fais-moi confiance. Moi, je suis avec vous, mais veille ici. Et chers amis, à la fin de cette émission là, c'est que je propose à nous, à partir d'aujourd'hui, de cette semaine, dans longtemps, pourquoi dis ça, Danny? À partir de cette semaine, jusqu'au dernier de nos jours, et même au-delà de nos derniers de nos jours, allons mettre à nous en face du Seigneur et d'y aller tout simplement, Seigneur, m'y crois que où y est ma main, personnellement. M'y crois que depuis toujours, où attend à moi. M'y crois que m'y a du prix à tes yeux. M'y crois que mon vie elle est précieuse pour. Voilà. C'est à ça que nous m'y invite à nous à penser, à réfléchir. Et ce sera là ben, les simples mots de notre prière. Et nous dit ça avec le cœur. Bien, nous pensons. Nous pas obligés de rouvrir la bouche. Mais avec le cœur, Dieu gagne le cœur. Voilà, chers amis.
Merci tout le monde d'avoir suivi cette émission sur le baptême du Seigneur. Et le baptême du Seigneur, c'est voilà, c'est une transformation, c'est un changement, c'est prendre soin, c'est voir que nous sommes le fils et les filles bien-aimées du Seigneur. Allez-nous à tous. Bye bye.